Après un long moment de calvaire imposé aux conducteurs par l'impraticabilité du boulevard Katouba, les habitants de la commune Katouba et Kenya pourront désormais pousser un ouf de soulagement. Depuis quelques jours, le boulevard Katouba est en pleine réhabilitation dans sa partie comprise entre l'arrêt Kamalondo et Barrière, un effort du gouvernement provincial. Sur place, les travaux vont bon train. Après l'étape de décapillage, l'heure est à la fondation, suivie de l'érection de la couche de base avant la pose de la couche d'asphalte. Un soulagement pour les conducteurs qui s'impatientent de rouler en toute quiétude. Ce qui est bien, quand il est bien, on a faim, quand il y a bien, mais sauf que m'entraîner, je n'ai pas de problème. Fale banane nepesha ko ifashina laka mai kama unaangalia kumkumbuka laka mai sana nena ifale bana weka kwa mantrasi ya munene de façon que mai yanzu pita balabala ibaki rutu bien mais moi je vais en tout dans silence que balabala ta gawia na pas tout ma difficulté sana ya mbuteage non mais toka yo tena pa kamalondo ya Katouba ni yo tena pa kamalondo faut que je luka aina facile même pour une période du ya kunani. La réhabilitation du boulevard Katouba, bien sûr, les embouteillages trouvent désormais domicile. Les usagers invitent l'entreprise commise à ces travaux d'accélérer l'exécution afin de désengorger les embouteillages récurrents dont l'avenue Babemba est victime.